Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ajouter des récoltes, traitements et reventes à votre serveur 5M si vous avez bien pris mon dernier pack, donc qui contient les récoltes, le traitement et la revente. Alors, moi ce que j'ai fait cette fois, vu que là c'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais bon, il y a plus de fichiers à modifier, c'est que j'ai fait ici un petit bloc-notes avec les étapes à suivre. Donc on va les suivre dans l'ordre. Tout d'abord, on va aller prendre les coordonnées X, Y, Z in-game. Donc ce seront les coordonnées du. Moi, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais prendre la récolte, donc du champ de récolte, les coordonnées du traitement et les coordonnées pour la revente. Donc pour ça, il faut que je démarre mon serveur en local. Donc voici. Et que je rejoigne le jeu. Enfin, mon serveur. Donc. Je vais faire une petite coupure le temps que tout soit chargé et que je sois in-game. Donc, nous voici en jeu. Alors ici, moi, ce sera mon lieu de récolte. Donc, c'est un espèce de petit champ. Malheureusement, dans GTA, il n'y a pas des grands champs ou des trucs comme ça. Où il y aurait des buissons ou des petits arbustes, etc. pour dire que je vais récolter des plantes. Donc, à savoir l'éphédrine ici pour la mettre. Donc, moi, je vais choisir cet emplacement-ci. Donc, ici. Hop. Et je vais simplement donc essayer de trouver les coordonnées, donc les axes X, Y, Z. Donc moi je vais avec le lambda menu en faisant FE, World, Location et Show Coordinates. Alors au-dessus de l'écran on voit axe X, Y, Z. Donc nous ce qui nous intéresse c'est les chiffres juste derrière. Pour le lambda menu j'avais déjà fait une vidéo pour savoir comment l'installer. Je ne vais pas vous réexpliquer maintenant sinon ce serait trop long. Donc voilà. Donc, une fois que j'ai les coordonnées qui s'affichent, moi je fais F12 vu que j'ai Steam ouvert, hop, j'ai fait un screenshot. Mais sinon, vous pouvez appuyer sur votre clavier sur Print Screen. Alors, moi ce que je fais ici, je vais chercher Paint. Je l'ouvre, je le sauvegarde. Donc là maintenant, hop, j'ai mes coordonnées. Donc ça, je sais, je vais l'enregistrer sur le bureau. Hop, je vais faire un dossier, je vais l'appeler Coordonnées. On va l'appeler Co, voilà. Et je vais l'appeler récolte. Voilà. Comme ça, je sais que ça, c'est la récolte. Ensuite, maintenant, une fois que c'est fait, on va aller chercher les coordonnées de l'endroit pour traiter, donc pour modifier donc le traitement. Moi, j'ai choisi, pardon, un truc assez long, à savoir que c'est ici. Si je me trompe pas, c'est que je dise pas de bêtises, je crois que je me suis gouré d'endroit. Normalement, c'est ici, mais je suis plus sûr. C'est une espèce de labo qu'on fait d'ailleurs dans une mission. Je crois que j'ai fail, donc non, c'est pas ici. Hop, je vais y arriver. Non, c'est par ici en fait. Ça n'a complètement rien à voir. Il me semble bien que le trajet était fort long. Donc voilà, ici, voilà, moi j'ai choisi cet emplacement, donc qui se trouve là derrière ce magasin. Hop, je trouvais que c'était pas mal, donc pour faire la bonne mette, je vais monter dedans pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc l'idée c'est d'être minimum RP quand même, quoi, de faire un emplacement qui se veut entre guillemets réaliste. Donc voilà, moi j'ai choisi ici comme labo, parce que à la base c'est un labo. Donc à la bonne mettre justement dans une des missions. Donc on va faire pareil ici, on va prendre les coordonnées donc avec le lambda menu. Hop, on va faire print screen sur le clavier. Donc print screen c'est, ou alors ça peut s'appeler imprime écran sur votre clavier. C'est à droite de F12. Donc là on va aller l'enregistrer avec Paint, encore une fois. Avec Paint, on va prendre les coordonnées ici. Donc au-dessus de l'écran toujours, on les copie. Sinon, clic droit copier. Moi, je fais toujours CTRL-C, c'est une habitude. On va aller les enregistrer. Donc, hop. Me semblait bien que j'avais fait une bêtise tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, on va aller, comme je disais, les enregistrer. J'ai pas découpé le premier, mais je vais le faire après. Donc, ici, ce sera traitement. On va le mettre dans coordonnées. Voilà. Donc je vais juste avant tout retoucher l'image qu'il y a là, donc la première pour la récolte ici. Parce qu'on voit mon deuxième écran et bon, bof quoi. Donc ici voilà, ça c'est
la récolte, je vais l'enregistrer. Voilà, enregistrer sous, on va replacer récolte, donc voilà. Donc vous voyez un peu le principe. Alors maintenant on va aller faire la revente. Donc la revente, pareil, bon là il faut juste que je sorte du bâtiment ici. Donc là jusqu'ici c'est tout simple, c'est juste prendre des coordonnées des axes X, Y, Z. Bah, après ça va peut-être un peu être compliqué pour certains, même si ça reste relativement simple. Alors moi au niveau de la revente, j'ai choisi de me mettre ici et je vais vous montrer pourquoi. Donc là encore une fois je me téléporte. Alors pour la revente, moi j'ai choisi la rue qu'il y a dans GTA San Andreas. Faut que j'arrive dans le fond, c'est par là, voilà. Alors j'ai choisi d'aller mettre là dans le fond parce que il y a une bâche qui me fait penser un peu à. Bon après il y a peut-être des endroits plus RP que d'autres, hein, que celui-ci surtout. Moi j'ai pris celui-ci au pif comme ça. Donc une bâche qui me ferait penser à un stockage. Et la particularité c'est que si vous avez un gunfight ici avec les flics, c'est que ça va se corser parce que regardez ici. Si je tire une balle en l'air, hop, regardez la minimap. Bon là je suis en god mode donc je serais pas inquiété, mais regardez la minimap. C'est un territoire de gang en fait. Bon là il n'y a pas beaucoup de mecs, mais d'habitude franchement ça, des fois ça bombarde jusqu'à 30 mecs. Donc ça peut être pas mal, ça met un peu d'animation. Donc moi je vais simplement prendre les coordonnées d'ici. Donc world, location, show coordinate, print screen. Sur mon clavier, je vais ouvrir paint. Je vais découper ceci. Donc les coordonnées. Je vais faire un nouveau fichier. Je vais le coller dedans. Je vais l'enregistrer. Donc là, ce sera revente. Voilà. Donc, on a nos coordonnées. On va pouvoir quitter le jeu. Ça sert plus à rien de rester in-game. Pour le moment, du moins. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape 2. À savoir, on va aller. Hop, ça, je peux fermer. On va aller ajouter les coordonnées, non, la liste d'abord, on va créer les objets dans la base de données. On va donc clic gauche sur web serveur, PHP My Admin. Faut le temps que la page s'affiche. Donc là, on va se loguer comme d'habitude. On va aller sur la base de données ici GTA Game Mode Essential. Alors ici, on a item. Alors ici, donc ça c'est ce que j'ai déjà dispo sur mon serveur, mais je n'utilise pour l'instant que ceci, ceci et ceci. Tout le reste, je le ferai après. Ah oui, j'utilise aussi les tonneaux de verre et les grappes de raisin. Donc voilà. Donc ici, faites bien attention que ici vous avez idées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous, on va rajouter des nouvelles idées, donc il faudra que ce soit à la suite. Il faudra que l'idée ne soit jamais la même qu'une qui existe déjà. Donc on va faire insérer. On va mettre ID 12, donc pour aller à la suite. Et au début, on va mettre Ephedrine. Donc pour faire le E majuscule au cas où, c'est Alt 144. Voilà. Donc on va l'appeler Ephedrine. Voilà. Donc ça, ce sera la plante qu'on récolte. On exécute. Voilà. On retourne ici sur la table item. Donc on voit que maintenant, l'item 12, c'est de l'Ephedrine. Ensuite, il va falloir rajouter la méthamphétamine. Donc on va refaire insérer. ID 13 pour aller à la suite. Et ici, je vais copier-coller le mot parce que je me trompe toujours entre F ou PH. Je ne sais pas écrire. Donc voilà, méthamphétamine. Exécuter, voilà. Donc ici, maintenant dans mes objets, j'ai correctement l'éphédrine et la méth. Ça c'est bon, je m'en occupe plus. Je retourne ici sur Game Mode Essential et maintenant je vais aller ajouter les coordonnées tout d'abord du traitement, non, de la récolte, du traitement et de la revente. Donc pour ça. Je vais ici sur coordonnées, afficher. Donc là, on voit déjà que j'ai rajouté ceci comme coordonnées. Ça, c'est ce qu'il y avait déjà de base dans le script de récolte. Donc ici, on regarde bien que l'idée, toujours bien regarder idée, ce sera l'idée 10 la suivante. Donc l'idée 10, ce sera la récolte. Donc on va faire insérer idée 10. On va retourner dans le dossier coordonnées. On va. Moi, j'arrive à les voir en petit. Mais sinon, vous pouvez double-cliquer pour zoomer. Enfin bref, donc moi je vois qu'ici, l'axe X c'est 2244,72 ou 72 pour les Belges, donc 2244, enfin point 72. Voilà, ça je peux fermer. Alors le suivant, je vais l'agrandir parce que celui-là il est petit. Je vois que c'est 129,38. Donc 129,38. Voilà.
Hop, je me suis gouré. Je regarde la mauvaise image. Non. Donc la récolte toujours. Donc l'axe Y, c'est 2013,27. Faites pas la même connerie que moi surtout. Je suis fatigué. 0,27. Et la coordonnée Z, c'est 56. Ici, on va mettre 0,0862. 56,0862. On fait exécuter. Donc ça, c'est notre traitement. On va refaire de nouveau SRE. Idée. Que je me gourre pas. Donc l'idée maintenant, ce sera la 11. Donc l'idée 11, ça c'est le traitement. Ici. Donc pareil, on retourne dans le dossier. Ce sera traitement. Donc 1389,33 pour le X. Donc 1389,33. Si vous avez un double écran, c'est mieux. Vous mettez les coordonnées sur le deuxième et voilà. Mais là, je ne vais pas le faire, sinon vous ne verrez pas ce que je fais. Donc, Y, c'est 3604,11. 3604,11. Et j'allais encore faire la même bêtise que tout à l'heure. Le Z, c'est 38,94,19. 38,94,19. Voilà. Donc, je valide. Maintenant, on va mettre la revente. Donc, on refait pareil. On reclique ici. Ou on peut directement faire insérer. Maintenant, ID 12. Alors, on va de nouveau reprendre les axes. Donc, revente. 129,38. 129,38. Alors, ici, il faut faire très attention. C'est moins. Donc, il faut bien mettre le moins 1939,28. Donc, moins 1939,28. Et le Z 20,6204. 20,6204. On exécute. Alors, je vais juste revérifier qu'il n'y ait pas eu des mois ailleurs que je ne les ai pas vus. Je crois que la revente. Non, il n'y a que la revente en fait. Non, la récolte ici. Il y avait un mois 2013. Est-ce que j'ai bien mis le mois 2013? Ça, c'est très important. Mois de. Non, vous voyez ici, je ne l'ai pas mis. Donc, surtout pas faire cette bêtise. Donc, c'est mois 2013, surtout. Voilà. Exécuter, je vais tous les vérifier. Ça, c'est chiant, mais il faut bien regarder. Donc, ici, normalement, il n'y a plus de moins. Non, donc le reste, c'est bon. Tout est OK. Donc, là, au niveau des coordonnées, ici, on a. Donc, c'est ici, traitement. Non, récolte, traitement, revente. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié une étape. Donc, où il fallait lier la table coordonnées avec la table récolte. Bon alors pour ce faire là il faut être attentif et il faut pas faire de conneries sinon ça marchera pas. Alors on va cliquer ici, donc j'ai rajouté une étape ici hein, entre les deux, donc on passe plus directement à celle-ci. Donc là on va donc cliquer ici, aller dans récolte, faire afficher, et ici on va insérer une nouvelle ligne. Alors bon ici vu que ça s'arrêtait à l'ID 3, on va faire ID 4. Alors ici raw ID, c'est l'ID de l'objet non traité. Donc avant traitement, ici, pour le savoir, vous allez sur item, moi je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et quand je vais ici, donc, vu que moi, l'objet non traité, c'est de l'éphédrine, son ID, c'est 12. Donc je vais retenir 12 et je vais aller mettre ici, donc, raw ID 12. Et ici, treated ID, c'est l'objet, une fois qu'il est traité, donc il est modifié et prêt à vendre. Donc là, c'est 13 pour moi. Hop, je me suis trompé, c'est là 13. Alors le job, on le laisse vide. Voilà, on le laisse comme ça. Là, ici, le prix, c'est le prix de revente après avoir traité. Donc moi, imaginons, je vais mettre par exemple. Combien est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre 600, on va dire. Donc ce sera le 600, l'objet. Donc le 600, la méthamphétamine, quoi. Ici, fil ID. Ça, ce sera que je dise pas de bêtises. Normalement, ça doit être les coordonnées. Donc, ici. Donc, ça doit être le champ. Oui, donc, ça, c'est la récolte. Donc, oui, le champ où on va récolter. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le 10. Donc, on va regarder les trois derniers à chaque fois. Hein. Donc, le 10, hop. Donc, ça, c'est la récolte d'éphédrine. Donc, le 10, hop. Ensuite, le traitement, le 11, ici. Et là où on va vendre, donc nous, c'est le 12. Donc ça, ce sont les coordonnées. Voilà, le 12, j'exécute. Alors maintenant,
Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, donc n'oubliez pas ici dans la table récolte, c'est super important. Ici, ça c'est l'idée, donc ça doit se suivre à chaque fois. Ici, raw idée, c'est l'objet non traité. Donc à savoir ici dans la table objet, vous pouvez les voir. Hein. Donc item, pardon. Donc nous, c'est de l'éphédrine pour la méthamphétamine. Ensuite, treated idée, donc ça c'est l'objet modifié, l'objet prêt à vendre. Ce sera la méthamphétamine, donc idée 13. Ici, ça, on laisse nul vu qu'on n'a pas besoin de métier pour faire ça. Le prix, c'est le prix de revente, donc moi j'ai mis 600. Field ID, c'est le champ de récolte. Donc ne vous trompez pas, vous pouvez voir ça dans les coordonnées. Donc à savoir ici, je pourrais peut-être même rajouter une colonne nom ici. Je vais la rajouter maintenant, si vous voulez. Donc c'est tout simple pour rajouter une colonne, vous faites structure. Histoire que vous ne vous plantiez pas en fait. Structure. Ah, je peux pas rajouter de colonne. Il faut que je mette une. Bah si, pourtant j'ai une clé primaire. Ah si, voilà. Décidément, je suis aveugle. Non, on va l'appeler. Bah non. Ici, on va la mettre comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais. Moi, je préfère faire ça. Hop. Pourquoi ça veut pas marcher, ça? Ah, pardon, je suis fatigué. Voilà. Donc, ici, voilà, j'ai rajouté une colonne normalement qui s'appelle nom. Donc, si je vais ici, que je vais dans. C'est dans les coordonnées. Je dois avoir une table. Enfin, une colonne nom. Alors, ici, je vais la modifier. Je vais modifier que les trois dernières. Donc, là, le nom, c'est récolte et éphédrine. C'est vraiment un pense-bête, en fait, pour pas que vous vous trompiez. Vaut mieux faire ça plutôt que de tout bousiller. Ici, c'est traitement éphédrine. Et le dernier, donc, c'est revente. Mettre. Une fois que vous aurez compris le principe, vous n'aurez même pas besoin de faire ça. En fait, il suffit juste de bien faire attention et de ne pas vouloir aller trop vite, comme moi tout à l'heure avec les coordonnées. Donc voilà, là, normalement, en toute logique, si je vais tester une game, ça devrait fonctionner. Donc, je vais réduire ça. Je vais lancer mon jeu et je vais aller. Enfin, je vais attendre que le jeu charge et je vais faire une petite coupure en attendant. Donc voilà, une fois in-game et sur l'emplacement donc de votre traitement. Enfin, moi j'y suis pas encore, mais je vais y arriver. Normalement, si tout a bien fonctionné, vous devrez avoir un marqueur comme ça, donc E, un numéro 1 qui clignote là. Et en fait, voilà, moi ça fonctionne. Donc là, je vois que je suis en train de récolter de l'éphédrine. Bon, là on le voit pas forcément parce que mon jeu est pas en plein écran. Mais on le voit quand même un petit peu en bas de l'écran. Et si je fais K, hop, on peut voir que je suis en train de récolter. Donc, ici, on voit que j'ai l'étape numéro 1 qui est bien affichée. Alors, l'étape numéro 2, normalement, c'était dans le labo qui se trouve ici. Là. Donc, je vais directement m'y téléporter pour voir si j'ai bien fait ça. Tout d'abord, je vais ici enlever ça parce que j'ai pas fait exprès de mettre tout ça. Donc, je vais me téléporter dans le labo pour aller traiter. Hop. Bon, le seul problème c'est que j'ai un petit peu abusé sur la distance du coup que je dois réduire dans le script. Du coup ça traite un petit peu de loin, c'est pas super RP mais bon. Le but c'est que ça fonctionne quand même. Donc là si on regarde on voit bien que ma meth, enfin mon éphédrine est en train d'être transformée en meth. Donc d'ailleurs je vais marquer METH parce que là je vois que c'est un peu long et que ça dépasse du menu. Donc là, je vais attendre que toute mon éphédrine soit traitée pour aller essayer de la revendre, voir si ça fonctionne. Mais normalement, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, vu que ça c'est terminé, je peux quitter la zone maintenant et aller à la revente. Donc la revente, j'avais dit que j'avais mis ça ici dans la rue. Hop. Donc, sur le numéro 3, je vais me téléporter et là, on voit en dessous que je suis en train de vendre et que ça fonctionne. Bon, le petit problème c'est que je vois ici vente en cours de l'éphédrine à la place de vente de la méthamphétamine. Ça c'est moi qui ai fait une petite bêtise, mais bon c'est pas très grave, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de se vendre. Là au-dessus à droite, on voit bien que j'ai 600 à chaque fois. Alors maintenant que ça fonctionne, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait par exemple. Pour ici rajouter, parce que bon, un numéro 1, 2, 3 c'est un peu flou, donc moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté une icône juste à côté, avec le cannabis par exemple. Donc pour ce faire, on va devoir quitter le jeu.
Hop, on va quitter le jeu maintenant. Voilà. On va couper le serveur vu que de toute façon il ne nous servira plus à rien pour l'instant. Ici, donc comme je dis, on va aller ajouter une icône sur la carte. Alors, c'est assez simple. Hop, c'est pas là-dedans. Donc, on va ici dans ressources. Ensuite, moi j'ai mis, je me sers du job système en fait, qui est ici. Si je le retrouve, le voilà. Et si je me trompe pas, non, c'est pas dans ce fichier là, c'est ça doit être dans le fichier client. Voilà, ici. J'ai créé ici un petit truc avec justement les coordonnées où je veux que mes icônes apparaissent. Alors, vous pouvez très bien prendre ce code-ci, le mettre dans un fichier propre. Moi, je me suis servi de celui-ci qui était déjà fait pour pas faire 15 scripts à côté de l'autre. Enfin, bref. Voilà. Alors, ici, moi, ce que je fais à chaque fois, je copie la dernière ligne. Hop, interligne, je colle. Hop, j'ai mal copié. Donc, il faut surtout bien tout prendre, les crochets, tout. Je colle. Alors, ici, ce sera, on va créer l'icône pour la récolte de méthamphétamine. Donc, je vais mettre champ. Oh, champ d'éphédrine. Voilà. Alors, ici, la couleur, j'y touche pas. Alors, maintenant, ici, idée. L'idée, c'est le numéro de la petite icône qu'il y a sur la map. Alors, moi. J'ai un petit site ici que je vous mettrai en description qui répertorie toutes les icônes qu'on peut avoir dans GTA. Bon, peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Alors moi pour la mettre, j'ai choisi ici. L'idée 499 ou 499 pour les Belges. Parce qu'elle représente une petite fiole comme un petit truc de chimiste. Moi je mets trois fois la même icône, comme ça les gens ne se trompent pas et ne se disent pas oui mais ça correspond à quoi, etc. Donc ici. 499, donc je retiens le numéro, je vais mettre donc ID 499, que donc je le répète, ça correspond à l'icône sur la map, donc son numéro d'ID. Alors maintenant ici les coordonnées X, Y, Z, mais c'est comme tout à l'heure, simplement, on retourne dans le dossier ici qui s'appelle coordonnées, on va afficher celui de récolte, donc on peut même zoomer comme ça, maintenant CTRL plus la molette de la souris, donc ici on va... Ce que je vais faire, je vais mettre les deux fenêtres comme ça. Hop, pour bien voir, pour pouvoir voir les deux en même temps. Donc, ici, hop, là on a dit. Je vais mettre donc la coordonnée X 2244.72. Y, ici. Hop. Donc c'est moins 2013.27. Alors surtout n'effacez pas les virgules qu'il y a là, ni les z, ni les égales, sinon ça ne marchera plus. Et la dernière coordonnée z, c'est 56.0862. Voilà, donc là on a notre icône pour le champ d'éphédrine. Maintenant on va faire l'icône pour le traitement d'éphédrine, enfin le labo de chimie. On refait pareil, on copie la ligne, on la colle. Ici on va mettre laboratoire de chimie. Alors simplement le texte, c'est quand vous cliquerez sur l'icône, ça vous indiquera ce que c'est. Donc l'idée, je laisse la même, donc 499, qui correspond à cette icône-là. Hop. Alors, où est? Voilà. Donc ça, c'est bon. On va réouvrir les coordonnées. Donc, on a dit le traitement. Donc le traitement, la voici. Donc, X. Donc c'est X1389.33. Le Y, c'est... 3604.11 et le Z c'est 38.9419. Voilà, alors maintenant on va refaire une fois encore la dernière ligne. Hop, et on va maintenant faire la revente de mètres. Donc revente de, bon, je vais l'écrire comme ça, de mètres. Je laisse la même icône toujours. Donc la revente, les coordonnées, c'est 129.38. Ici, hop, j'ai oublié de sélectionner un chiffre. Donc c'est moins 19, non, moins 1939.28. Donc ça, faites bien attention que ce soit les bonnes, sinon ça va faire n'importe quoi. Et le Z, c'est 20.6204. Donc voilà. Ici, normalement, si je lance mon serveur, je vais avoir correctement les nouvelles icônes sur la map. Donc, qui vont, entre guillemets, se mettre derrière les icônes, le petit 1, 2, 3. Mais bon, c'est
Moi, je trouve pas ça gênant. Donc là, je vais relancer mon jeu. Je vais refaire une petite pause le temps que mon jeu se lance. Et je vais relancer mon serveur aussi pour pouvoir me connecter dessus. Donc nous voici in-game. Bon, j'ai dû faire une petite modification avant de relancer la vidéo parce qu'en fait l'icône ne marchait pas. Donc j'ai remplacé l'icône 499 par la 51 qui représente ceci, donc une pilule. Mais ça m'étonne pas, ce site n'est pas super fiable. Moi normalement j'utilise. Donc je tape simplement blip GTA 5 ID et normalement j'utilise celui-ci si je me trompe pas. Voilà. Bon, il est un peu plus chiant parce qu'il faut scroller avec sa souris qui a énormément d'icônes et que bon voilà, mais au moins celui-ci, la plupart que j'ai testé fonctionnait. Donc voilà. Mon icône in-game, elle est bien apparue donc sur chaque étape. Donc la pilule là, bon, le E se chevauche un peu dessus. Mais bon, on la voit, j'ai fait en sorte que le E soit un peu plus petit. Ici, on peut modifier la taille de l'icône. Non, c'est pas dans celui-là. Si vous voulez modifier, bon, moi je vous conseille pas perso parce que comme ça on voit très bien quand même. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est dans récolte. Si je trouve le fichier, donc hop, récolte. Ça doit être dans. Non, c'est pas dans serveur. C'est ici quelque part dans la taille des icônes. Donc ça doit être. Size. Non, c'est pas ça. J'ai oublié où c'était. Voilà, c'est ici. Ah, c'est pas size, c'est scale. Donc moi j'ai mis 0,7. Vous pouvez descendre à 0,6 voire 0,5. Mais l'icône sera vraiment très petite. Donc comme ça, c'est pas mal. Donc là maintenant j'ai bien mes trois étapes, donc une là et comme vous pouvez voir ici donc champ d'éphédrine, donc ça c'est le texte que j'ai rajouté ici pour le labo. Hop, non pas numéro 2, on a dit la petite pilule, laboratoire de chimie. Et ah, je ne sais même pas si je l'avais appelé labo de chimie, je ne sais plus. Donc on va regarder, il me semble que je l'avais appelé labo de mètre. Mais je me suis peut-être trompé. Il faut que je retrouve. C'était dans job. Client. Donc, oui. Non, je l'avais bien appelé labo de chimie. Je sais pas pourquoi. Je suis fatigué, c'est pour ça. Et ici, donc le dernier, j'ai mis revente de mètres. Donc ça fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Normalement, je vous ai tout expliqué. En détail. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Bon, dans la limite du possible, parce que je peux pas répondre non plus à tout le monde. Il y a, comme je le répète à chaque vidéo, il y a des gens qui n'expliquent pas forcément correctement leurs problèmes. De ce fait, ben, c'est compliqué. C'est assez dur de répondre correctement quand un mec ne link pas de screenshot et dit voilà, j'ai une erreur, ça marche pas. Donc voilà, ah oui, pour ceux qui connaissent pas, si un jour vous avez un serveur, bon c'est un peu con ce que je dis, mais là il y a un petit dealer caché. Voilà, je vous ai rien dit. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, voir si ça vous a plu, si vous avez des soucis. Donc le blabla habituel de cette vidéo. Moi je vais aller dormir parce que je n'en peux plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et salut!